C'est arrivé samedi matin. Une personne a tenté de mettre le feu à la mosquée de Saint-Martin-des-Champs, près de Morlaix. Cela alors qu'une prière s'y déroulait. L'homme a aspergé la porte du lieu de culte avec un produit inflammable avant d'allumer le feu. Des fidèles ont alors appelé les pompiers. Le préfet du Finistère a condamné cet acte avec la plus grande fermeté. Le ministre de l'Intérieur a exprimé son soutien aux musulmans de la région. Gérald Darmanin souligne qu'une enquête a été ouverte afin que l'auteur des faits puissent être poursuivis. Vive réaction également du Conseil français du culte musulman et de la Grande Mosquée de Paris. Je vous propose d'écouter le grand imam de Bordeaux, Tarek Oubrou, que nous avons joint il y a quelques minutes. Tout d'abord, il faut laisser l'enquête suivre son cours pour identifier le présumé criminel et ses motivations. Et puis, il n'est pas vraiment une grande surprise de voir ce genre de gestes se perpétrer, se multiplier. Vu la tension, la crispation que traverse notre société, c'est aussi pour dire que les paroles extrêmes peuvent engendrer des gestes extrêmes également. C'est pour cette raison que les responsables, les acteurs politiques, les acteurs religieux doivent mesurer leurs paroles et appeler à l'apaisement. En tout cas, c'est ce que je souhaite, c'est ce que j'essaie de faire, d'appeler les esprits à l'apaisement, au discernement, et de ne pas vraiment succomber à la tentation de l'extrémisme de tous bords. Donc, effectivement, cette surenchère victimaire multiplie ce genre de gestes qui ne sied pas à la grandeur des valeurs de la République. Vous déplorez, on l'entend, une dégradation du climat ambiant et également une banalisation de la parole anti-musulmane. Oui, un certain discours politique catalyse cette crispation, ce repli identitaire, la peur de l'autre, les différents, la peur de l'islam, peut engendrer justement ce genre d'actes qui ne sont pas vraiment des actes qui sont à la hauteur des valeurs que nous devons partager. Liberté, égalité, fraternité, nous sommes tous des citoyens, au-delà de nos convictions religieuses, nous devons apprendre à vivre ensemble en paix. Quel regard portez-vous sur les différentes réactions politiques et les nombreuses condamnations suite à cet acte ? Écoutez, il ne faut pas se contenter de condamner, il faut traiter le mal à la racine, qui commence d'abord par une perception négative de l'autre différent, notamment le musulman, mais également des discours politiques qui ne sont pas forcément fanatiques, extrêmes, mais qui peuvent engendrer des comportements de la sorte. Et donc, oui, il faut aujourd'hui faire attention à ce qu'on dit, le politique, le religieux, et tous les acteurs et influents et influenceurs doivent faire attention aux paroles, parce que les paroles peuvent se transformer en projets criminels. Et donc, oui, il faut faire attention à ce que nous disons, notamment les politiques. Il y a une surenchère aujourd'hui. On passe de la critique de l'islamisme à la critique de l'islam. Il y a un flou sémantique qui entretient une forme d'ambiguïté qui pourrait vraiment engendrer une confusion et pousser des gens ignorants à ce genre de crimes. Et ce flou sémantique que vous déplorez, estimez-vous qu'il est sciemment entretenu ? C'est par ignorance, les gens ne savent pas de quoi ils parlent, l'islam, l'islamisme, la piété, le conservatisme, il s'agit d'une visibilité culturelle, une visibilité anthropologique, une visibilité religieuse, tout se mélange dans l'esprit de nos concitoyens qui n'ont pas les moyens de discernement. Et les hommes politiques, malheureusement, parfois n'aident guère au discernement. Donc attention, le politique doit soigner la société et ne pas augmenter le mal qui la traverse aujourd'hui. Donc oui, il faut transcender les clivages, les frontières identitaires pour pouvoir faire société ensemble. Parce que les musulmans, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, ils font partie intégrante de la société. Donc c'est un fait. Comment faire avec ce fait-là? Ce n'est pas en faisant la surenchère politique sur l'immigration, puis de l'immigration à l'islamisme, et puis de l'islamisme à l'islam. C'est une dérive sémantique qui pourrait justement indirectement aboutir à ce genre d'actes violents. Que dites-vous aujourd'hui aux fidèles
choqués par cet acte. Il ne faut pas succomber à la tentation de la réaction négative. Il faut que les musulmans apprennent, comme leurs concitoyens, à vivre dans la paix, de ne pas généraliser, de ne pas... Voilà, la société n'est pas islamophobe par essence. Il y a des gens qui ne représentent qu'eux-mêmes. Et nous sommes dans une république dont le droit ne sanctionne que le criminel. Il n'y a pas de loi pénale collective. Donc, le crime n'incombe qu'à celui qui l'a commis. Donc, il ne faut pas tomber dans l'erreur de la punition collective, la vengeance. Il faut vaincre ce sentiment de vengeance qui pourrait vraiment aboutir à des comportements qui pourraient troubler l'ordre public et la paix civile. Quand vous lisez des condamnations également de responsables chrétiens, à l'image du frère Jean-François Bourg, qui est le directeur du service national pour les relations avec les musulmans au sein de la conférence des évêques de France, est-ce que cela vous fait chaud au cœur ? Oui, bien sûr. De toute façon, ce n'est pas une affaire de musulmans, de chrétiens ou de juifs. C'est tout simplement, nous devons défendre des valeurs communes, tout simplement. Ce qui touche le juif me touche, ce qui touche le chrétien me touche, et ce que touche le musulman doit toucher également le chrétien et le juif, parce que nous sommes dans le même bateau. Et quand la violence se déchaîne, eh bien, il ne fait pas de distinction. Et donc, il faut faire attention à tout cela. Nous devons être solidaires au-delà de nos appartenances convictionnelles et religieuses. Le grand imam de Bordeaux, Tarek Oubrou.